Et ça pouvait arriver, parce que vous avez su qu'elle est épouse d'un survivant à la maladie à virus Ebola. Donc ça peut arriver. Alors nous sommes là, que la population se tranquillise, mais que les mesures soient respectées. Donc le ministre national a annoncé à la communauté nationale et internationale que voilà, nous vivons la 12e épidémie ou le 12e épisode de l'épidémie à virus Ebola.